C'est quand t'es prêt. Quand t'es prêt, OK. Ouais, vous le voyez, il y a du vent ici. On est au beau milieu d'un jardin géant sur le toit d'un IGA. Et là, ici, on est venu découvrir comment l'agriculture urbaine peut peut-être nous aider un jour à atteindre l'autonomie alimentaire au Québec. Bienvenue dans l'Alternateur. OK, on va se refaire ça un petit peu moins vite. Ouais. 3, 2, 1, ça roule. Je suis en train de finir de setter les caméras. Tom est en arrière avec Antoine Trottier, qui est le cofondateur de la Ligne verte. Puis eux, ils vont aider les particuliers puis les entreprises à verdir leurs bâtiments. Comme ici, mettons, sur le IGA, c'est eux qui ont tout aménagé la ferme sur le toit. Mais là, je me disais qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut être un peu s'enligner sur c'est quoi l'autonomie alimentaire, question qu'on part toutes sur les mêmes bases, c'est d'avoir le plus possible d'aliments dans notre assiette qui viennent du Québec. Comme ça, ben ça fait qu'on réduit les impacts environnementaux reliés à l'alimentation. Puis aussi, ben on est moins dépendant envers d'autres pays, on fait moins d'importations. En tout cas, je vous laisse avec Antoine puis Thomas pour l'entrevue. J'ai envie qu'on visite un peu, là, oui. Tu sais, là, je vois des tournesols. Y a-tu des graines là-dedans? Ou c'est les graines de tournesol? Ça vient-tu du tournesol? Ben oui. C'est des graines qui s'en viennent, là. Ah! C'est encore... Dans le fond, tout ça, c'est des fleurs. Tu sais, c'est la fleur de tournesol, c'est... Oh my God, j'ai sûrement l'air con parce que tout le monde savait ça. J'espère que tu vas pas mettre ça au montage. Ça, c'est plus une allée d'expérimentation. Puis aussi, on a un pays de cacao. Ça, c'est du cacao? Oh my ouais, God! Des corses de cacao. C'est vraiment un bon pays qui se dégrade vraiment vite. Ça, c'est les fleurs qui sont là? À chaque année, on fait des bouquets, en fait, qu'on vend en magasin. Ça fait partie des productions. C'est quoi ça, ces plants-là? Ça, c'est des plants de fraises. Oh! Les fruits et légumes qui sont cultivés ici s'en vont directement à cette épicerie-là? La grande majorité des légumes qui sont produits ici s'en vont directement en bas. Parfois, là, quand il y a vraiment des trop gros stocks d'une production, bien là, ça s'en va à d'autres épiceries du secteur. La logique de l'affaire, c'est de garder ça le plus près possible. T'sais, l'agriculture urbaine, c'est un spectre d'avantages qui va autant dans le spectre social, t'sais, dans les interactions sociales, dans la possibilité d'avoir un espace, puis aussi d'avoir un environnement viable puis sain en ville. T'sais, on s'en vient tous des urbains, bien, il va falloir avoir un environnement qui est intéressant puis qui est vivable pour tous. Là. Ah! On les voit, les tomates? Tomates fraîches. Tomates fraîches du jardin. Et tu vois si ça goûte... Ça goûte la ça ville. Ça goûte l'auto ou la ville, ouais. Oh my Merci. God! Merci. Ils sont tellement bonnes! C'est pas vrai qu'à coût égal, à l'épicerie, la tomate a coûté la même chose collectivement. Il y en a une qui a pollué, il y en a une qui a pas pollué. Puis ces coûts-là ne sont jamais visibles. Puis tant qu'il n'y aura pas une réflexion là-dessus, ben on passe un peu à côté du nœud du problème. Du nœud du problème, exactement. Pour toi, dans l'autonomie alimentaire, là, mettons qu'on entend ces termes-là souvent, est-ce que ce genre de projet-là peut prendre une place importante ou a à prendre une place importante? L'autonomie alimentaire ou la souveraineté alimentaire, c'est un objectif collectif. Nous, on essaie de créer de l'espace, finalement. T'sais, on veut créer de la terre agricole. Au Canada, on est le plus gros projet de toit vert productif avec 28 000 pieds carrés. Donc, c'est un mouvement qui, normalement, donne la résilience à notre système alimentaire en cas de problème d'approvisionnement. On est capable d'avoir une diversité d'aliments qui est bonne pour tous. C'est juste qu'on a une échelle microscopique par rapport aux besoins de tout le Québec. T'sais. Le toit vert est vraiment une technique intéressante, mais c'est un peu un couteau suisse. Il est bon dans tout, mais il est excellent dans rien. Le toit va durer plus longtemps. Au lieu de durer 20-25 ans, il va durer 70-80 ans. Après ça, deuxième avantage, efficacité énergétique. Très bon climatiseur. Après ça, pour la communauté, bien, c'est ça, il y a le taux du lot de chaleur urbain, la biodiversité, qualité de l'air. Pollinisateurs, ben oui, il y a plein d'aspects comme ça. Il n'y a aucune contrainte à ne pas installer le toit vert. Fait que ça prend juste une question de volonté. Là, mettons qu'il y a quelqu'un de comme moi, comme Zoé ou comme Amélie qui vient de voir et qui est comme « Hey, je viens de m'acheter un condo ou je viens de m'acheter une maison, j'aimerais ça. » Est-ce possible de faire ça sur ton simple chez toi ou c'est comme des projets qui demandent un petit peu plus d'investissement? Nous, notre philosophie, en fait, c'est de verdir tout type d'espace. Peu importe c'est quoi les contraintes. Puis ici, il y en a quand même des contraintes, mais on arrive à le faire. Donc oui, il y a des solutions pour un condo. Après ça, sans rentrer dans les détails, c'est ça. Des fois, c'est pas possible, là. Ou des fois, mais il y a toujours une solution. Vous avez entendu ça, la gang, si jamais vous avez un projet de toit vert sur votre cabanon. Vous savez qui parlait. Le cabanon, oui, c'est les plus le fun. Ça doit être, mais ça doit être un cabanon facile. Toit vert, non? Ouais, c'est ça. Après notre visite de la ferme avec Antoine, ce qu'on réalise, c'est que c'est vraiment inspirant de voir les gens travailler sur des projets comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous amener à atteindre l'autonomie alimentaire? Il faut se questionner. Je pense que c'est pas juste une solution, mais plus un ensemble de solutions. Puis d'ailleurs, si vous avez envie qu'on découvre d'autres types d'agriculture, écrivez-nous-le dans les commentaires, ça va nous faire un grand plaisir. Sur ce, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Salut! Je sais pas pourquoi je trouve ça cute, mais je trouve ça mignon.